Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire et j'ai décidé de vous parler d'un autre duel intéressant entre deux guerrières incroyables, une chez DC, une chez Marvel. Alors, à ma droite, je dirais Diana de Themyscira, princesse des Amazones, très très forte, une véritable guerrière. Et à ma gauche, Carol Danvers, militaire, major en plus de sa promo. Et qui est militaire de métier, qui n'est autre que Captain Marvel. Voilà, donc en plus, je fais une petite aparté avant de vous parler des deux personnages. Je vous recommande d'aller voir Blue Beetle, parce qu'en France, les gens sont un peu paumés, mais aux États-Unis, sur Rotten Tomatoes, Blue Beetle a 80%, ce qui en fait un très bon film, qui est l'un des films DC les mieux notés, avec The Suicide Squad de James Gunn. Shazam, premier du nom, Flash, Aquaman et Joker, et The Batman de Matt Reeves, donc allez le voir. Et moi j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié, et ça a du potentiel, et franchement, pour une fois qu'on voit un personnage latino qui vend pas de la drogue, qui c'est pas un narcos, donc allez-y, faites-vous plaisir, vous allez voir, ça va vous faire bizarre de. Enfin, ça va vous faire bizarre dans le bon sens du terme, ça va vous faire du bien de voir autre chose que des stéréotypes. Voilà. Ça c'est la fin de l'aparté. Et maintenant je vais revenir sur ce duel de titans. Alors en comics, je dirais que Wonder Woman forcément a plus de vues que a plus de vues n'importe quoi. A vendu plus de bouquins que Captain Marvel parce que ça fait 80 ans que Wonder Woman ça existe. Il y a eu une série Wonder Woman avec Linda Carter qui a cartonné, qui a duré 4 saisons à l'époque. Donc c'est un personnage extrêmement populaire même encore aujourd'hui. Et pour preuve, Gal-Gamoche est nul, mais les films ont cartonné. Enfin, le premier film a cartonné. Donc ça en dit long sur la popularité du personnage de Wonder Woman. Donc en comics, voilà, y a pas photo. En plus, Wonder Woman, les deux sont bien en comics, mais Wonder Woman c'est meilleur. Voilà, je vous dis la vérité. Donc je mettrai 1-0 à Wonder Woman en comics. Maintenant, on va parler des films. Et en film, ben, je pense qu'il n'y a pas match, parce que je pense que Captain Marvel a gagné le match. Dans le sens où Captain Marvel a fait 1,18 milliard, ou un peu 1,21, je crois, milliard, et Wonder Woman a fait 850 millions. Alors oui, il y a eu un deuxième film, il a fait un flop, et quand tu additionnes les deux films, ça fait 1 milliard. Bon, Captain Marvel est toujours au-dessus, sachant que Captain Marvel va avoir une suite, et quand on regarde les univers partagés des deux films, on voit que ben Wonder Woman, enfin, Wonder Woman dans l'univers du DCU, à chaque fois qu'elle était là, ça a été un bide, à part dans son premier film, mais Batman vs Superman, ça n'a pas marché. Justice League, ça n'a pas marché. Snyder Cut, ça n'a pas marché. Shazam 2, ça n'a pas marché. Flash, ça n'a pas marché. Et à chaque fois, elle était là. Une fois ou deux, je veux bien que ce soit une coïncidence, cinq fois, ça fait un peu beaucoup. Et en plus, Wonder Woman 3 a été annulé. Donc je ne sais pas si The Marvels, ça va être un succès ou pas. Moi, je pense que oui. Parce que déjà, Marvel a le temps de faire de la promo, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas grand-chose en face, donc ça pourrait marcher. La deuxième chose aussi, c'est qu'il y a Loki, saison 2, qui sort, qui va être un carton, parce que je sens que ça va être exceptionnel. Il va y avoir Marvel Spider-Man 2, aussi, qui sort en octobre. Et je pense que ça, si tu rajoutes de la promo, je pense que The Marvels peut marcher. Voilà. Puis en plus, ça a de l'intérêt pour Secret Wars, donc, et puis il y a des personnages intéressants dans l'histoire, donc ça me paraît. Voilà, pour moi, il y a plus de chances logiquement que ça marche que l'inverse. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que ça a quand même plutôt bien marché. Surtout que le film coûte pas cher, il coûte quoi, 150 millions, ce qui est un budget raisonnable quand même pour un film du MCU. Donc je pense que ouais, ça a marché. Donc au niveau des comics, un pour Wonder Woman, pour les films, un pour Captain Marvel. Donc on est à un partout. Maintenant, on va parler des jeux vidéo. Et je vais mettre un partout, je vais vous expliquer pourquoi dans les jeux vidéo, parce que. En fait, Wonder Woman et Captain Marvel n'ont pas de jeu solo. Il y a un jeu Wonder Woman en préparation qui devrait sortir en 2024-2025, mais pour l'instant, j'ai vu qu'un teaser, j'ai rien vu d'autre. Donc c'est alléchant, et voilà, je ne peux pas juger le jeu sur une bande-annonce. Mais voilà, Wonder Woman, par exemple, si on la prend dans Injustice 1 et 2, exceptionnelle, elle est incroyable. Et en plus, il y a un jeu en préparation, donc il y a du potentiel pour le personnage, et je pense que c'est exceptionnel. Captain Marvel, on l'a vu dans Marvel's Capcom Infinite, elle est exceptionnelle dedans. Meilleur personnage du jeu. Elle était pas mal aussi dans. Comment ça s'appelle? Dans Marvel Ultimate Alliance numéro 3. Elle est super bien dedans. Dans Midnight Suns,
qui est sur PlayStation 5, excellent, excellent personnage, c'est le personnage le plus fort du jeu. Et pour vous dire, je peux pas utiliser dans le jeu, et ça me fout la mort, parce que c'est vraiment... On dirait que le jeu a fait exprès, parce qu'elle est super forte de ouf, en fait. Le fait que je peux pas l'utiliser, je suis comme un dingue, parce qu'elle est monstrueusement forte. De tous les persos que j'ai eu, avec Spider-Man, Ghost Rider, ce que vous voulez, c'est la plus forte. Donc, je suis obligé de mettre un partout. Parce que les deux personnages sont vraiment très forts, et apparemment, ils préparent peut-être un jeu Marvel's Capcom 4, et apparemment, elle serait dedans. Donc ça en dit long sur la puissance et la capacité du personnage. Donc niveau jeu vidéo, un partout, donc ce qui nous fait deux partout. Maintenant, pour départager les personnages, on va parler d'animation. Et on va voir laquelle des personnages est la plus représentée ou la mieux représentée. Et après, je pense que j'aurai un dernier élément, mais je vais parler d'animation. Alors Wonder Woman en animation, on a deux films d'animation. Il y en a un qui s'appelle juste Wonder Woman et l'autre qui s'appelle Bloodlines. Ils sont excellents, je vous les recommande. On a quoi d'autre aussi? On la voit dans Justice League, elle est exceptionnelle dedans, je vous le recommande. Ce qui fait 3 en plus. Et on la voit dans les films d'animation de Justice League et dans Superman, Batman, Apocalypse. Donc si on fait un calcul, globalement elle est très bien faite. Ouais, on la voit dans à peu près 10 projets d'animation et elle est top. Maintenant, on va parler de Captain Marvel. Captain Marvel est dans deux séries d'animation où elle est excellente dedans. C'est dans Avengers Earth Mighty Heroes, elle est exceptionnelle dedans. Et dans Avengers Assemble, Rassemblement, elle est excellente aussi dedans. Mais c'est quand même moins costaud que Wonder Woman à côté. Même si des trucs, des films, des trucs d'animation, Wonder Woman quand même par rapport à ça met un peu une gifle à Captain Marvel, donc on est à 3 à 2. Maintenant, on va parler en termes de puissance. Et les deux personnages sont très forts. Vraiment. Mais je vais être honnête avec vous, je pense que Captain Marvel est plus forte que Wonder Woman. Et je peux expliquer pourquoi. Parce que c'est vrai que Wonder Woman, elle affronter des gros adversaires chez DC, que ce soit Doomsday, Ares, Circe, des personnages très forts, vraiment. De la mythologie en plus pour certains. Mais Captain Marvel, les adversaires qu'elle a, ils sont super forts. Elle affronte Thanos, elle affronte Thor en mode normal. Donc c'est un adversaire sacrément coriace. Vraiment, Captain Marvel, elle peut soulever Hulk. Donc là, c'est vraiment une cliente et je pense que s'il y a un match entre les deux, avec tout le respect que j'ai pour Wonder Woman, à mon avis, Captain Marvel l'a défoncé. Donc on arrive à un 3-3. Et je pense que on va s'arrêter là. On va s'arrêter sur un match nul. Moi je ne m'attendais pas, je pensais que l'une des deux pouvait battre, peut-être même Wonder Woman pour vous dire. Mais il y a un match nul parce qu'en termes de puissance, en termes de popularité et tout ça, on est à peu près équivalent actuellement. Donc voilà, c'est un match nul pour les deux. Ça arrive, hein, comme quoi des fois. Voilà, donc n'oubliez pas de commenter, like la vidéo, et à la prochaine. Ciao tout le monde.